Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Callisto Protocol avec l'épisode 16. Peut-être le dernier, peut-être pas. On verra. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire d'office, ça fait très plaisir. Installez-vous confortablement, on est parti pour une bonne demi-heure ensemble. Éteignez les lumières, un petit truc à boire et à manger. Et let's go, la Compagnix. C'est parti. Évidemment, on devait ouvrir cette porte. On est arrêté juste devant pour le plaisir des papilles gustatives. Ok. J'essaye vraiment de faire gaffe maintenant. Très bien. Beaucoup de sortes de pustules à même le sol. Et ça, c'est assez terrible. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien. Il y a de la vie, il y a de la joie. Ça, c'est bon. Ça, il commence à y avoir pas mal de vie là. Hein. Vendre. Évidemment qu'on va vendre ceci. C'est tout? J'avais rien d'autre à vendre. Moi, je fais un petit peu miskin là. Je ne m'attendais pas à cette surprise. Des balles explosives. Hein. Vous savez quoi, j'ai envie qu'on se fasse un petit plaisir, l'ultime plaisir. Là, c'est 1008. Ajoute le module de tir alternatif qui tire des munitions explosives. C'est avec quoi, ça? Non, c'est avec la toute première arme, je crois. C'est ça que j'aimerais améliorer. Par contre, ça coûte cher. 1002. Ok. Vous savez quoi? Ou alors, l'ultime plaisir d'ici peut-être? Non, on peut pas. L'ultime plaisir d'ici peut-être? On ne peut pas non plus. Vous savez quoi? Au diable l'avarice. Parce qu'en vrai, cette arme était une des meilleures. Le fusil à pompe, le mini fusil à pompe. C'est celle que j'ai quasi le plus utilisée. Et avec lequel je me sens le plus sécure. Et c'est celle que j'ai le moins améliorée. La vie est parfois cruelle. Ok. Allez, c'est parti. Ah ouais, quand même, faut pas abuser. Et tu sais quoi? J'ai même envie... 3006, modifie cette arme. Eh, vas-y, au diable l'avarice, hein, les gars. En plus de dégâts, on bat les couilles. Mes armes, elles font pas mal de dégâts. Il y a juste pas les tirs alternatifs sur chacune. Mais au moins, on a découvert la capacité de chaque arme. Très bien. Si je devais refaire l'aventure, je pense que je serais un petit peu plus en infiltration sur certains passages, pour le coup. Ok, superbe. Superbe. Et est-ce qu'il me reste un peu d'argent? Je sais même plus. Mais en tout cas, on est plutôt pas trop mal. Let's go. Ok. Voilà, ça sent le piège. Ça, ça sent la poudre de perlimpinpin. Bon, allez. On va voir. Voilà. Voilà, fuyant, bien sûr. Les derniers coffres, on met de la merde. Oh, putain. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quel enfer. C'est l'angoisse. Oh, tu crois que je t'ai pas vu, petite caisse? Petite caisse qui en fait des caisses. Ok, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ça va se fermer ou quoi, là? Ah, ça save. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Hop, à côté de mon pote. C'est là où on s'est fait implanter notre puce. Hein. Ne l'oublions pas. Ok. Ok. 86 crédits et ça commence à ralasser. Ok. Oh bien. Oh bien. J'ai presque me sentir en sécurité avec ça. Mais réel, hein. J'aurais pu le jeter là-dedans, putain. Oh, si j'avais su. Okay. Ok. Très bien.
Allez. 2. Bon. On attend pas son doggy dog. Ça devient très critique, les amis, ce qui est en train de se passer. Donc je vais acheter des munitions pour toutes les prochaines fois. Ok. Bougez pas. Ouais, on va aller... on va aller acheter des munitions. Ça, c'est pas bon. Je vous le dis. Un peu de tout, un peu de rien. Un peu d'amour, un peu de toi. Un peu de vin. Un peu de foi. Bon, j'avais de quoi courir un petit peu partout. Enfin, je voulais ce côté un petit peu rassurant. Oh. Bien. Très bien ça. Très bien ça. Ok. Ça me plaît. Bon. Je pense qu'on est pas mal. Maintenant, on a fait que des machines de guerre. Faut pas le négliger. Oh la merde. Oh la merde. Là, encore un piège ou ça va? Un David guet-apens. Ouais. Ah non, ça par contre, je suis déçu. Alors les gars, les créateurs, c'est bon, on a compris une fois, deux fois. Mais enfin, dès que vous le faites, à chaque fois que... Vous savez bien qu'on est curieux et qu'on va ouvrir, on n'est pas bête en fait. Genre, c'est un jeu d'horreur. On a peut-être la possibilité d'avoir un moment d'accalmie. Et que vous soyez un peu généreux sans pour autant... Système défensif mis hors tension. Ok. Ok. Edward Bate. Régale-nous mon ref. UG324-980. Vous m'entendez? Normalement, doit pas y avoir de méchants ici. Il y avait un moyen de défense, hein. N'est-ce pas? Ok. C'est bien grand, c'est bien beau, ça. Hein. Le laboratoire, au cœur de la prison. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Bah, dans un labo, c'est souvent des expériences, mon ref. Je sais que ça peut choquer plus d'un. Attendez, attendez. Je regarde mon arsenal. J'ai 2 soins encore. Très bien. On s'en sort bien, en vrai. Enfin, je trouve qu'on s'en sort bien. J'ai trop peur. Il faudrait qu'ils essayaient de voir combien de temps il leur fallait pour se transformer. L'expérimentation sur les prisonniers. Ah, évidemment. Combien de temps ils ont fait ça? Vache. JC était aussi derrière tout ça. T'as de la chance. Ok. Ah, ok, bougez pas. Hey, vous faites quoi là? Je vous ai posé une question. Ce n'est qu'un inhibiteur pour ralentir l'infection. Vous pouvez la guérir, non? Je peux. Avec votre aide. Mais vous devez me faire confiance. Vous perdez du temps et elle n'en a pas beaucoup. Ok, ok, faites ce que vous devez faire. Bientôt, tout sera clair. Et si vous commenciez par tout me raconter? Vous êtes au courant de ce qui s'est passé sur Europe? Je sais pas ce qui s'est passé sur Europe. J'étais pas là au moment de l'attaque. Non, mais elle, oui. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment... Oui,
Au sang. Comme vous voulez. Vous avez fait quoi? Je vous ai donné ce que vous vouliez. La malédiction du savoir. Votre corps est maintenant lié au sien. Du moins, il le sera une fois la synchronisation terminée. Le transfert ne sera pas immédiat, mais ses souvenirs combleront les lacunes. Vous aurez les réponses que vous cherchez. D'accord. Dites-moi comment la guérir. Vous pouvez utiliser ça, pour synthétiser un antidote. Mais vous devrez extraire un échantillon de l'alpha du directeur. Sans quoi? Le but de cette folie. Son protocole ridicule. Au cours de l'épidémie initiale, un colon connu sous le nom de Sujet Zéro a démontré une capacité unique à synthétiser le biophage, à le contrôler. Oui, j'ai entendu ça dans l'enregistrement, un spécimen plus grand, plus fort. La phase suivante de l'évolution humaine. Malheureusement, il a été tué pendant la stérilisation d'Arcas. Et maintenant, le directeur cherche à reproduire les conditions de l'épidémie originale. Dans l'espoir de recréer le sujet zéro en tant que sujet alpha. En libérant le virus dans la prison. Comme il le disait, l'évolution ne se produit pas dans un laboratoire, mais dans la nature. Comment il peut faire ça? Il pourra pas couvrir cette affaire. Il n'agit pas seul. Il fait partie d'un groupe. Datant de plusieurs siècles, il cherche à guider le progrès de l'humanité. Elle se réveille. Soyez prudent, Jacob. Une fois synthétisé, l'antidote contiendra la seule essence pure de son alpha. Il la voudra plus que tout. C'est la clé de tout ce qu'il cherche. Et vous, dans tout ça? J'ai joué mon rôle dans cette histoire. Il n'y a pas d'échappatoire. En gros, je suis un peu la salope de service, comme d'hab. C'est toi? Aucune importance, on a ce qu'il nous faut. Allons finir avec ça. Allez. Allons finir. Très bien. Comment tu te sens? C'est comme si quelque chose était... Eh bien, ma tête. Pas très beau, hein. J'essaie de prendre le dessus. Tiens bon, on y est presque. Pas très jojo tout ça, hein. On va se gaver, hein. En vrai, je vais prendre des soins et tout, je m'en bats les couilles. Ah ok, putain, il est encore là. Y'a rien d'autre là? Y'a pas un petit truc caché sympatoche? Dommage. Allez. Tout est très très long. Le problème c'est que ça fait deux épisodes... Mais arrête, abruti! Ça fait deux épisodes qu'on peut pas courir. Pour un peu plus suivre l'histoire. Qui c'est lui? Hey, t'as vu ça? Rien. On pourrait continuer. On sert à rien. J'ai les alus de la meuf ou... L'ascenseur est droit devant. Il devrait nous amener à la tour. Danny ? Oh, le problème. Putain, j'ai pas vu de forge. Je vais chier. Une petite forge, ça serait pas mal, les gars. Vous m'avez donné un beau truc. J'aimerais bien forger. Je vous cache pas que là, je pense que je vais acheter ma munition, rien à péter. Ah d'accord. Alors, le jeu a changé graphiquement. La dernière chose dont je me souviens, c'est ces robots qui nous ont attaqués. Malheur nous aide à trouver un remède. Oh la gueule. Et tu lui fais confiance? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ouais, bah oui. Ouais. Moi non plus. Putain, peu cher. Bonne mère, hein. C'est beau, hein. C'est quoi tout ça? C'est certainement pas l'UJC. C'est qui alors? Oh, ça sent la douille, hein. Bon, les gars, attendez. Je sais pas à quoi s'attendre, Nix. On rachètera ce qu'il faut quand il faut. Ah. Transfert de données terminé. C'est quoi ce bordel? Ah! Danny? Ok, on est dans ce qu'est vas-y. T'es où?
nous voici en ville. Vous êtes maintenant dans les souvenirs de Danny. Vous pouvez voir ce qui s'est vraiment passé sur Oro. Un échantillon provenant d'un de nos laboratoires. Une tragédie qui a inspiré tout ce que Cole fait ici, à Black Iron. Ok. Comme regarde-le. Lâche-moi. De quoi tu parles? Jacob, regarde-le. Que tu vois? Est-ce que tu vois? Jacob, qu'est-ce que t'as là-dedans? Ce qu'on a ne nous regarde pas. Allez, on a un contrat à remplir. C'était notre faute. Lily. Je suis désolée. J'ai essayé de te protéger. Tu méritais pas ça. Europe n'était pas une attaque terroriste. Ils ont trafiqué les images pour cacher ce qu'ils prévoyaient de tester à Black Iron. Et la cargaison qu'on a transportée a joué un rôle à chaque fois. J'aurais pu arrêter ça. Mais je l'ai pas fait. Bah non, si tu savais pas, tu savais pas, Bibiche. T'as fait un mauvais choix. Comment est-ce que tu comptes arranger ça? Jacob, qu'est-ce qui t'arrive? Allez. Je peux pas. Tu peux. On y est presque. Non. Je peux le sentir. L'entendre dans ma tête. Ok, reste ici. Je reviendrai quand j'aurai le remède. Je peux me débrouiller. Fais-le payer pour ce qu'il a fait. Ah, non. Une forge, les gars, s'il vous plaît. Vous donnez des récompenses, mais je veux forger. Oui. Et vas-y, oui. Merci pour la forge. Je préfère. Ok. Bon, les amis. Ça y est. Impression UGC. Ok, c'est le moment. Bon. Ça, on vend. Ça, on vend. Et de toute façon, pas de magie, les gars. Je peux m'acheter que des balles et de la santé. En vrai, je vais acheter ça. Rien à péter. Voilà. Très content. Choqué, pas déçu. Je vais m'acheter chaque balle de chaque, voilà, si je peux me permettre de le dire ainsi. Riot Gun, rien à foutre, on se fait ça. Je vais m'acheter des soins pour finir. 500 de soins, c'est pas donné. Je vais m'acheter ça. On va se mettre bien là, croyez-moi qu'on va se mettre bien. On va finir en apothéose ce spectacle. Ok, on va se mettre ça. Première fois qu'on s'achète des munitions, c'est sur la fin du jeu. Plutôt pas peu fier. Ok. Et déjà, on va checker. Alors, ça fait bim bam boum. Ok, ça c'est fait, c'est rechargé à bloc. Ça, hop, c'est fait, c'est rechargé pas à bloc. Donc on va en reprendre ça. Ça, c'est le pistolet, mais je n'ai pas plus de balles. Et ça, c'est fait et c'est rechargé, mais pas à bloc. Et ça aussi. On va refaire une petite tournée. C'est parti. Le choix vous appartient. Alors, comme je disais, hop. L'utilisateur a su. C'est dommage qu'il n'y a pas d'accélération à ce niveau-là. L'UJC vous remercie de votre. Ok. Ensuite, c'est parti. Ça continue.
Très bien. Ça, c'est tout ce que je vais lui mettre dans la gueule, hein. Notez bien. Ah ouais, bah, tout ce qui sort là, tout ce qui sort là dans ma main, ça va finir dans sa gueule, hein. Ok. On continue avec ça, évidemment. Très bien. Et on va se faire un petit plaisir avec ça aussi. Et aussi, évidemment, des soins quand même. Hein. Des soins, des soins. Voilà. Et rien à péter. Ça vaut 500. C'est parti. Comme disait. Oh putain, ça, faut tout refaire si je meurs. Ça va être dur. Et en vrai, au diable la Paris, ça. Je vais juste lâcher des mers, hein, avec le fusil mitrailleur, hein, rien à péter. Hein. Vraiment, hein, attendez. Non mais attendez, je sais même pas pourquoi je m'embête. Que fusil d'assaut, frère. 25 balles dans la gorge. Ok, ça dégage. Allez, on est très très bien. Bon. Bah ouais, 131 balles, c'est comme ça que je vois la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, hein. C'est comme ça, mon pote. Ok. Ok. Très bien. On va commencer par le tartiner avec ça, ouais, ça me paraît pas mal, j'ai le tir alternatif. Let's go, on va lui faire regretter. Enfin, je crois. Très bien ça, ok. Alors, ça va être ça l'arène. Ça a l'air d'être ça l'arène. Ça a l'air d'être totalement ça. Et c'est de la santé partout. Oh là là, quelle merde. Ok. Ok. On va commencer direct. Attendez. Enfin, j'ai failli faire une grave erreur. Ok. J'ai peut-être été un peu too much, c'est vrai, sur les munitions. Quand j'y pense. Ok. C'est... Oh la vache, je sais pas ce qui va se passer, mon ref. Attends. Qu'est-ce qui va se passer? Attends, je comprends pas, c'est où là la bagarre? Y'a plein de trucs explosifs, mais what the fuck? Ah la vache! Clipping, ok, c'était là. Paraissait évident. Ok. Vos méthodes sont imprudentes. Vous prenez beaucoup de risques. Le plus grand risque est de ne pas agir! Surtout quand le bien commun est enfin à notre portée! Ah oui! Pile à l'heure. Il approche. Le survivant. Le survivant. Vir Solitarius. Vir Solitarius. Où est l'alpha? Donnez-moi ce putain d'antidote! Je vais pas la laisser mourir! Votre ami. Je vous ai observé. J'ai étudié votre dossier. Vous n'êtes pas l'innocent que vous prétendez être. Vous avez prouvé que vous feriez n'importe quoi pour assurer votre propre survie. Le survivant, Vir Solitarius. Et vous alors, hein? S'amuser à regarder les gens mourir, c'est ça votre protocole? Non, vous vous trompez, Monsieur Lee. Le protocole n'est pas une question de mort, c'est une question de vie. Notre avenir nous attend là! Notre destin. Mais l'espace nous est toujours hostile. Cette fragile coquille, elle nous retient. Nous devons évoluer si nous voulons survivre. Et maintenant, vous allez tous savoir pourquoi. La preuve que mes méthodes en valent la peine. Une dernière épreuve pour déterminer le véritable survivant. L'humanité. Mon alpha. Ok.
ça alors. 5, 2, 1, sèche. Je dois te remercier. Au début, je pensais que c'était une malédiction. Mais j'ai compris que c'était un don. Tu vois, le directeur a ouvert les yeux. Il m'a montré mon but. De le montrer. Non, j'ai esquivé. Non. Ok. Déjà plus les moules.
Let's go! Je vous avais dit quoi? Toutes les balles dans sa gueule! Tiens bon, Danny. Vous pensez nous avoir vaincus. Ferris était faible. Un vaisseau imparfait. Cet échantillon est la clé pour débloquer un rêve vieux de plusieurs siècles. Ce n'est pas un échec, Monsieur Lee. C'est le progrès. Et il m'appartient! Non. Non, non, non. Je ne crois pas. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment de jouer au héros. Laissez l'échantillon et partez. Il y a une capsule de sauvetage là-haut. Pour vous ramener à la vie que vous aviez. Vous et moi, pouvons avoir tout ce que nous voulons. Alors, dites-moi, Monsieur Lee, que voulez-vous? Je vais vous dire ce que je veux. Je veux revoir ma sœur enfoirée. Un effort courageux. Mais vous le savez sûrement, je ne perds jamais. Non, il y a toujours une première fois. Bah reprends l'échantillon Alpha quand même, non? Quel gâchis. Tout ceci pour sauver une vie. Ne pensez pas à nous avoir arrêtés. Les données recueillies ici permettront au protocole de passer à la phase suivante. Quant à vous... Séquence d'autodestruction initiée. Adieu, Mademoiselle Nakamura et Monsieur Lee. J'espère que vous avez apprécié votre séjour à Black Iron. Du réacteur. Allez, viens! Les capsules sont par là! Attendez qu'elle se remette peut-être de ses émotions, non? Je sais pas. Vite! Ok, on cavale. Cool! Eh ben écoutez, je pensais qu'on allait galérer un petit peu plus pour ce boss de fin, mais putain, waouh, je suis trop content, quoi. Hein. Vraiment, nickel. Nickel. Bon, même touche à fou, j'ai crafté beaucoup, beaucoup de balles. Mais je vous l'avais dit, hein, on va tout lui mettre dans la gueule. Hein. Et il laissait pas beaucoup respirer pour le coup, hein. C'était pas si facile. Heureusement que je suis un professionnel du video game. Eh bien. Eh bien, bibiche. Ah. Ah bah, y'a qu'une. Ah. Mais empilez-vous là-dedans, on s'en prend. Ah bah non. Il n'y en a qu'une. Non, c'est vrai. Mais je le sais maintenant. Je peux pas continuer à faire ce que je fais. Quoi? De quoi tu parles? Je suis désolé. Pour toi. Ma place est ici. Ne fais pas ça. Jacob! Dans les deux sens. Il en a appris plus sur moi. Et j'en ai appris plus sur lui. Dans le chaos du moment, je n'ai pas compris qu'il m'avait aussi donné la preuve que je cherchais depuis le début. Et qu'il a sacrifié sa vie pour que je puisse exposer la vérité. Essayait-il de se racheter pour la douleur qu'il a causée? Ou était-il juste en quête d'une sorte de rédemption? J'espère qu'il a trouvé la paix. Jacob, il y a peut-être un moyen de s'en sortir après tout. Sécurité temporaire, cœur du réacteur activé. Mais je vais avoir besoin de votre aide. Ah!
suite dans le 2 ou peut-être un DLC. Mais je crois bien que c'est la fin. Le protocole Callisto. The Callisto Protocol. Eh ben écoutez, ma place est ici. J'ai beaucoup aimé cette fin. Voilà. Cette fin totalement ouverte. Donc, à voir s'il y aura une suite ou non. Mais ils ont bien fini le jeu. C'était pas trop bateau, etc., etc. Comme tout bon jeu d'horreur, ça a respecté pas mal de règles, mine de rien. Si je devais refaire le jeu, j'aurais été plus discret sur certaines phases. Mais en tout cas, honnêtement, là, c'est pas un jeu AAA. Et ça se voit, on va pas mytho, mais le jeu reste beau. Gameplay innovant, c'est la première fois qu'on voit un gameplay avec une esquive par joystick. Très particulier, mais ça marche plutôt bien. Malheureusement, pas de retournement rapide, c'est un peu dommage, on va pas se mentir. Mais franchement, c'est quand même, je trouve, un très bon jeu. J'ai passé 16 épisodes, très agréable. Je vous avoue qu'à la fin du premier épisode et du deuxième, je me suis dit « Oulala, dans quoi on est tombé ? Ça a l'air un peu particulier. » Le système d'esquive et tout, ça m'effrayait un peu. Au bout du troisième, quatrième épisode, on commence à s'y faire. Et c'est au cinquième épisode, c'est au un tiers du jeu qu'on commence vraiment à s'amuser presque avec le système d'esquive. Sinon, honnêtement, s'il faut citer des points négatifs, jeu un petit peu mou, ils auraient pu le rendre un petit peu plus rapide, mais ils ont fait ça pour le côté très claustrophobe, angoisse et peur, donc à la limite ça peut se comprendre. Parfois imparfait le système d'esquive, parce que des fois donc je faisais joystick gauche puis joystick droit, mais le joystick droit n'était pas pris en compte, c'était très bizarre. Et surtout le plus gros défaut pour moi, bah, pas de retournement rapide. Quand tu fais un jeu très robotique, tu dois pouvoir te retourner rapidement avec la pression d'un L1 croix en même temps et joystick arrière par exemple. Un petit peu à la Resident Evil finalement qu'ils font depuis la nuit des temps. Mais là, pas de retournement rapide. Donc c'était très bizarre, très particulier. Mais sinon, équilibre, difficulté, c'était bien dosé. Premier épisode, j'ai eu une peur atroce. C'était qu'il y ait trop de phases d'esquive de robot et qu'il y ait trop de phases de fusible. C'est-à-dire passer son temps à parcourir tout un niveau, prendre un fusible et reparcourir tout l'autre niveau dans le sens inverse, en mode « Ah putain, je mets le fusible dans cette porte-là, mais en fait, c'est pour aller dans l'autre porte, celle-là, c'était juste une porte bonus. » Et finalement, ils n'ont pas trop fait les fous avec. Donc en vrai, c'est bien passé. Honnêtement, je ne sais pas vous, mais c'était une très bonne expérience. Merci évidemment à tous ceux qui ont suivi cette aventure du début jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures horrifiques. On va avoir des mois très très chargés et assez incroyables qui vont arriver. Resident Evil 4 Remake évidemment, ainsi que Dead Space. Parce que pour le coup, c'est l'ancienne équipe qui était sur Dead Space qui a été sur Callisto Protocol. J'espère que ça a été agréable quand même pour vous à regarder cette expérience. Et puis voilà, honnêtement, c'était très très cool. On va passer peut-être une cinématique ? Eh ben pas du tout, pas du tout. Les amis, à bientôt tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. C'était très sympa. Passez évidemment une bonne soirée, une bonne journée. Et à très vite pour la suite avec God of War. Ragnarok qui lui continue. On en est déjà à l'épisode presque 40.